Salut à tous, aujourd'hui donc on est dimanche matin. C'est l'heure de ce que j'appelle mon petit skate footing. Donc je pars avec mon skate et je vais faire un petit chemin là, je vais longer la Garonne, je vais aller un peu dans la ville, je vais aller sûrement passer au skatepark et j'essaie d'enchaîner des petites figures de base. Et faire un peu comme un jogging quoi, mais en skate. Voilà. Pour l'équilibre, quelques petits ollies. Je suis pas réveillé. Matin, 8h30. Ouh, allez, on fait pas de folie. Ça peut faire un peu froid là. Hop là. Un peu plus de vitesse. La vue est belle. Faut que je vite. Je le rase en général. Mais c'est pas grave, hein. On est là pour souffler tranquillement, faire du skate, se faire plaisir. Voilà le pop trop vite, c'est le manio. Ouais, c'est quasiment à la sortie du lit là, donc c'est un peu dur là de se chauffer. Voilà. Allez, on va faire quelques petits 5,80. Hop. Half cab. Nose manual. Allez, sous le pont, c'est rigolo. Voyons. Et là-haut, le petit flip. Wouh. Et le half cab. Et on continue le petit périple. Donc là, on est, c'est la rocade. Sur les ponts jumeaux. C'est la route. Et on arrive dans mon lieu favori, le skatepark des ponts jumeaux. Salut. Ce qui est bien avec le basique, c'est que ça fait du cardio, c'est rythmé et puis ça fait plaisir parce que c'est des trucs simples. Quand je dis basique, c'est des ollies, des 180. Voilà. Hop là. Poser la caméra comme ça, je vais filmer les petits tricks basiques que je fais là sur la pyramide. Belle gamelle là.
On n'a rien sans rien. Hein. On peut progresser sans se faire trop mal, mais il y a toujours des fois où on se casse la gueule. Lamentablement. Mais c'est ça le skate. Hein. Et ouais. Bon, allez, je vais passer à autre chose. Le flip, il viendra la prochaine fois. Enfin, là, je l'ai mis deux fois. Mais je l'ai pas mis propre. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre propre. Allez, je vais mettre la caméra là. Voilà, j'ai positionné la caméra ici pour filmer le transfert là en ollie. Du coup, je vais essayer de le filmer sous différents angles pour vous montrer ça. Voilà. Et voilà. Bon, c'est cool. Ça, c'est un trick où j'ai longtemps eu un blocage, là, le ollie en transfert. Parce qu'en fait, on part de plus bas que l'arrivée, donc faut quand même assurer le ollie. À chaque fois, moi, la crainte que j'avais, c'était d'arriver comme ça, là, et de bloquer sur le croc arrière. Enfin, je vous laisse imaginer, quoi. Ça peut faire très, très mal. Donc, en fait, j'ai attendu d'être vraiment à l'aise avec le ollie avec la vitesse. Et puis savoir le déclencher au bon moment aussi. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais ici, là, à sortir ici, hop, en ollie sur le côté, et essayer de dépasser ce coin là, de sauter et d'arriver à faire un ollie au-dessus là. Et au fur et à mesure, bah, c'est venu, et puis un jour, je me suis lancé et c'est passé. Voilà pour ça. Bon, je vais arrêter de filmer là, je filmerai le retour. Et je vais continuer moi sur d'autres tricks. Fin de session jogging, qui n'était pas vraiment une session de jogging, parce que je suis resté au skatepark. D'habitude, jogging, c'est vraiment. Enfin, skate jogging, c'est vraiment d'aller dans les rues et tout. Faire un petit footing de skate, quoi. Et sur le retour, c'est de rentrer en switch, normal, puisque à l'aller, on est venu en normal. Au retour, on rentre en switch. C'est normal, c'est comme François, c'est juste, enfin, il a pas de prénom quoi, François c'est juste, enfin son prénom, ah, François c'est juste, enfin il a pas de prénom François Leblanc, non, François juste Leblanc, enfin voilà, c'est d'être drôle, c'est un peu pathétique. Bon, donc le retour en switch, bah, y a deux raisons à ça. Alors déjà, c'est pour bosser l'équilibre et puis pour être capable d'accélérer en switch si besoin, replaquer en switch, etc., etc. Et la deuxième raison, qui est un peu plus sportive on va dire, ma conscience sportive, bah, c'est de muscler en symétrique le reste du corps. Enfin, c'est peut-être une idée que je me fais, mais je me dis si je roule en normal et en switch, ben je vais pas avoir comme les tennisman un bras trois fois plus gros que l'autre. Voilà. Donc ben, même trajet, mais en switch. Donc ça fait un peu bizarre. C'est toujours un peu bizarre d'être en switch. C'est comme si vous étiez gaucher et que vous faites un truc de la main droite ou l'inverse. Et puis là on a la belle vue, petit ollie en switch, youp là. Wow. Ah, là je suis sur le switch du switch. C'est quand on est en switch, et bien on fait du switch. C'est plus facile, mais c'est du switch. Et c'est de la triche, parce qu'en fait c'est du normal. Hop, switch. C'est joli Toulouse. C'est joli Toulouse. Toulouse, c'est joli. Oh tiens, je crois que je tiens une chanson là. Toulouse, c'est joli. C'est joli Toulouse. Toulouse en switch, Toulouse en switch, Toulouse.
Una gaviota. Allez, Toulouse en switch. Wouah, switch manuel, ça c'est dur. Allez, je vais essayer ça. Allez, switch manuel sur le retour. Quelques mètres. Ah, je me demande souvent quand même pourquoi les gens ils courent alors qu'on peut rouler. Franchement. On se rapproche tranquillement. Ouais, depuis qu'ils ont refait le revêtement là du bord de Garonne, c'est quand même hyper agréable. Je vais quand même leur dire c'est dommage. Ils auraient pu mettre des curbs là tout le long. Des petits tremplins, des petits machins, parce que juste le revêtement, c'est un peu dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc on va se contenter de ça. Et la prochaine fois, la mairie, vous faites un revêtement, tac, vous mettez des curbs et pas des bancs avec des stries là. Ça, on peut rien faire là-dessus. Enfin, pas moi en tout cas. Donc la prochaine fois, vous mettez des petits curbs, genre petit ledge, petit tremplin, petit spine, des trucs comme ça, tout le long de la Garonne. Ce serait pas mal. Hop, hop, hop. Hop, là, là. Et bien, on retourne au point de départ. Bah, la prochaine fois, je ferai vraiment un vrai skate jogging où j'irai dans l'autre sens, je partirai vers le centre. Il y a plein d'endroits sympas. Après, je peux le faire que le dimanche matin parce que faut pas qu'il y ait trop de monde, histoire de pouvoir faire des petits tricks. Mais voilà. Voili voilou, ben, je vous dis à la prochaine mes cocos. Portez-vous bien. Et ce qui était bien. Allez, ciao.